3, 2, 1, let's get it. Each week, baby, press play to experience the U.S. culture in Paris. He's crazy. His name's Ahmed Elendi. And he thinks you all ain't ready. Welcome to the only U.S. show hosted by a Frenchie. Welcome in France. Welcome in the Get Ready Show. Get ready! Get ready. Hello to you, baby. It's me, Ahmed, and we're here live from Paris, France, for the only US show hosted by a Frenchie. It's the Get Ready Show. Bienvenue dans le Get Ready Show et c'est parti aujourd'hui. On va tester des popcorn. Direction Yummy Pop. La boutique a ouvert le samedi 22 octobre. Ça se passe au 35 bis rue du Roi de Sicile. C'est l'actrice Scarlett Johansson qui a décidé d'ouvrir cette boutique. En fait, elle rêvait depuis plusieurs années d'ouvrir avec sa famille son snack américain dans sa ville préférée d'Europe qui est Paris. Pop en fait veut dire éclaté, corn, maïs en anglais. Du coup, popcorn ça veut dire maïs qui éclate. Et elle a ouvert donc ce store ici là, dans cette rue dans laquelle je suis en train de marcher. On va aller tester ces popcorn. Juste pour la petite info, pour la petite histoire, en fait les Indiens ont été les premiers à inventer le popcorn. Alors ça a été la première source d'alimentation principale en fait pour les Indiens qui n'avaient pas d'autre chose à manger. Ils l'ont aussi utilisé en objet de décoration, en bijoux, en ornement dans les cheveux. Hein, ils n'avaient pas de DVD pour faire des soirées popcorn posées au coin du feu, donc bah ils ont dû trouver des solutions pour utiliser le popcorn. Direction donc Yummy Pop, 35 bis rue du Roi de Sicile. On va tester tout plein de popcorn. Il y a différents goûts, des goûts sucrés, des goûts salés. Est-ce que ça va être bon ou pas? La réponse c'est maintenant et c'est dans le Get Ready Show. Get ready. On est donc devant Yummy Pop, on va aller goûter les popcorn de Scarlett Johansson. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont chers? La réponse c'est maintenant dans le Get Ready Show. C'est parti les amis, je vous emmène, allez, venez avec moi. Venez, venez, venez. Déjà le prix 18 euros pour 3 paquets, mais on reparlera du prix tout à l'heure. Alors là, on teste le cheddar, le real cheddar. Bon, popcorn très salé. Il y a beaucoup, oui, on sent beaucoup le goût du cheddar. C'est pas sans taper le cul par terre, mais ça passe. On va passer aux fraises à la crème. Voilà, déjà couleur chimique comme vous allez pouvoir le voir. Ah, ceux-là ils sont bons. Ceux-là sont pas mal. Faut pas trop en abuser, ça peut vite devenir écœurant. Putain, couleur chimique encore pour le caramel sirop d'érable. Ça colle aux dents. Et alors là, pour le coup, on sent surtout le goût du caramel. Je sens pas le goût du sirop d'érable. Ouais. Alors, en gros, mon préféré, ça va être simple. Fuck. Ça va être le fraise à la crème. On se revoit dans un instant pour les prix et pour la fin du Get Ready Show. The Get Ready Show. Bon, la fin de ce Get Ready Show et la fin de ce review, c'est simple, ça va être assez rapide, hein, j'ai envie de te dire. Il y a trois goûts sucrés, trois goûts salés, truffe parmesan, huile d'olive, sel poivre et real cheddar. Et puis en sucré, on a chocolat fraise, fraise à la crème et caramel sirop d'érable. Alors concrètement, les trois que j'ai testés, le cheddar, franchement, honnêtement, ça a le goût du cheddar. Bon, ça a pas de couleur, c'est voilà. Ça sent très fort d'ailleurs dans la boutique, ça pue énormément. La déco est assez minimaliste mais sympathique et le choix musical, la musique est vraiment pas mal. Concrètement donc, pour en venir au popcorn, le cheddar il pue,
Il est bon, mais très salé et le goût est particulier. Le fraise à la crème chimique, mais bon, c'est le meilleur de tous. Et le caramel sirop d'érable, bah, j'ai senti que le caramel et pas le sirop d'érable. Concrètement, globalement, tous les pop-corns sont assez chimiques. Et concernant le prix, je trouve ça franchement hors de prix. C'est vraiment démesuré pour ce que c'est. C'est-à-dire que le pop-corn, le small, à l'ouverture, il était à 5,50€. Le prix a augmenté, il est passé à 6€. Le grand était à 10€, enfin le moyen était à 10€, il est passé à 9€. Et le XL, enfin le large, est à 15€ et il reste à 15€. Voilà, donc moi, honnêtement, je trouve ça vraiment cher pour ce que c'est. Et Scarlett, j'ai un message pour toi. Hein. You ain't got money enough in your bank account? Parce que là, honnêtement, it's too expensive. Bref, voilà pour le review du Get Ready Show. 18€ pour 3 petits sachets de popcorn. C'est cher. C'est cher. C'est un truc à tester. Si vous êtes fan de popcorn et de goût chimique, ça va vous plaire. 35 bis rue du Roi de Sicile, Yummy Pop, la boutique de popcorn ouverte par Scarlett Johansson. Voilà pour ce review du Get Ready Show. N'hésitez pas à mettre en bas dans les commentaires ce que vous avez pensé. Hit me up également en ma social networks, Medelandi, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, 19h, pour un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, prenez soin de vous, take care, and bless ya. Don't forget to like and subscribe, and follow my man, Ahmed, on Snapchat.